acheter. Qu'est-ce qui se passe? Achat réussi, merci beaucoup. Bah de rien. 3, 2, 1, c'est parti. Achat réussi. Et tadam. Allez, 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 allez. Allez, j'achète, j'achète, j'achète. Et achat réussi, let's go. Ok les mecs, dans cette vidéo, il y a comme d'habitude un petit pet de pet RNG à gagner. Alors normalement je vous fais gagner mes doubles. Donc j'aurais pu vous faire gagner un chat qui vaut 750 000 de rareté. Parce que c'est mon meilleur double, vous voyez qu'en haut c'est pas des doubles. Du coup j'aurais pu vous le faire gagner. Malheureusement les gars, ou heureusement pour vous, il y a un abonné qui a envie de vous faire gagner un pet. Donc dans la prochaine vidéo je vous ferai gagner ce chat qui est ultra rare à 750 000. Et je pense qu'il y en a plein qui l'ont pas dans le chat. Mais du coup, au lieu de le faire gagner maintenant, il y a un abonné, regardez ce qu'il m'a envoyé. Il y a marqué pour les abos. Et si on clique dessus les gars, c'est un slime légendaire. Il y en a quand même 1 million dans le monde, donc c'est quand même pas mal. Et du coup pour les abos, je vais le récupérer. Ou tu sais quoi, je vais le laisser ici. Voilà, je vais le laisser là, comme ça j'oublie pas. Du coup voilà, un petit slime les gars, légendaire pour les abonnés. Donc j'espère que ça vous fait plaisir et je vais vous montrer à quoi il ressemble parce que je pense que je l'ai moi. Alors attendez, j'enlève tous mes pets et du coup je vais marquer le slime. Ouais, j'en ai plein en plus moi. Bon bah les gars, c'est pas grave, il est pas très très rare mais c'est de la part d'un abonné donc vous pouvez pas refuser. C'est comme si quelqu'un vous faisait un cadeau et vous dites non, j'accepte pas. Du coup voilà, de la part d'un abonné très gentil, le petit slime à 80 000, c'est quand même pas mal en vrai. Il y en a plein je pense qui l'ont pas. Allez, en tout cas bonne chance à tous les gars. Bonne chance, bonne chance. Ok les mecs, dans cette vidéo, il va y avoir un pet RNG à gagner comme d'habitude, mais surtout un huge. Et aujourd'hui les gars, c'est de la part de 4 octobre, le mec qui nous a offert des cadeaux partout. Et il y a marqué du coup le Blazing Shark a gagné pour les abos et le Huge Unicorn Golden, l'eau céréale en plus pour les abos. Il vaut 700 millions, c'est incroyable, wesh, what the fuck. Mais il est super rare celui-là. Et du coup, il y a marqué pour les abos. Ah non, c'est pas le même, là c'est Alex qui l'a offert. Et bah, Alex, merci à toi. Du coup, c'est parti, on va regarder le pet qu'il a envoyé. Donc, c'est. Non, c'est pas. Ah si, c'est celui-là. Hop, donc regardez les gars, le joli pet qu'il y a gagné de la part d'Alex, un l'eau céréale Unicorn Gold qui est incroyable. Il est très stylé, très très stylé. Et c'est un pet très rare les gars, donc vraiment soyez contents de l'avoir. Et c'est qui l'a hatch? C'est le baron. Ok, LeBron qui l'a hatch, LeBron James. Donc c'est plutôt stylé. En tout cas pour participer les gars, ça va être très simple. Vous allez devoir trouver le code secret dans la vidéo. Sauf que les gars, j'ai remarqué que beaucoup d'entre vous trichaient. Ça veut dire que vous allez dans les commentaires et vous trichez et vous cherchez le code secret dans les commentaires. Sauf que ça c'est tellement de la triche les gars, que maintenant les codes secrets, je vais les cacher encore mieux dans la vidéo. Et ça va être des petits messages par exemple, écrire une lettre secrète, écrire un petit emoji secret. Et du coup vous pourrez plus tricher dans les commentaires. Et oui, vous êtes obligé de regarder la vidéo. Voilà, comme ça il y aura plus de tricheurs. En tout cas le code il sera écrit de la même couleur que l'exemple. Donc bonne chance à vous pour trouver le code qui sera très bien caché pour qu'il n'y ait pas de tricheurs. Surtout que c'est un huge les gars qui vaut quand même 700 millions. Donc faut pas laisser tout le monde tricher. Allez, en tout cas bonne vidéo à tous. Et du coup je vais vous faire gagner un deuxième exclusif en plus du Blazing Shark qu'il a offert, qui est juste là. Hop, je vais vous faire gagner aussi le BG Wild Unicorn. Voilà, les deux exclusifs à gagner aujourd'hui. Allez, bonne chance les gars, bonne chance. Dans la dernière vidéo il y avait plein de cadeaux, mais on va commencer directement les gars par le pet RNG que je vous ai gagné. Du coup c'est parti, on tire au sort le vainqueur et c'est Clément. Je participe, Robin. Et bah Robin, GG à toi, tu es le premier de mes abonnés à gagner un pet RNG. En vrai c'est assez stylé les gars, genre c'est le premier mec qui va gagner un pet RNG. Bon malheureusement c'est pas non plus le pet de l'année, bah puisque j'ai pas encore des doubles très rares, mais dès que j'ai des doubles très très rares les gars, eh bien je vous les donnerai. Du coup j'avais fait gagner un cheval parce que c'était mon meilleur double, et puis comme vous le voyez j'ai bien farmé et maintenant j'ai des doubles beaucoup plus rares, donc je vous ferai gagner des meilleures choses. En tout cas GG à toi Robin, le premier qui gagne un pet RNG, je te l'envoie directement et voilà, cadeau envoyé. Et du coup maintenant ce que vous attendez tous les gars, c'est parti pour tirer au sort le vainqueur du huge, let's go. Et c'est Matt, huge please. Et bah Matt, je suis vraiment désolé pour toi mon frérot, mais t'as pas marqué le code secret. Et oui les gars, c'est très important de mettre le code secret, parce que quand tu mets pas le code secret, et bah malheureusement tu ne gagneras pas le huge. Je vais quand même lui envoyer un exclusif les gars, parce que comme il a été tiré au sort, bah je vais lui envoyer un petit exclusif le pauvre. Mais c'est vrai que Matt, la prochaine fois oublie pas de mettre le code secret, t'aurais pu gagner un huge là. En tout cas je lui envoie le cadeau, c'est parti, une petite exclusif et voilà, cadeau envoyé. C'est parti directement pour tirer au sort le deuxième vainqueur et le huge peut-être. Alors Nathan, lol, le meilleur Pokémon c'est Rayquaza, il y a zéro débat. Et bah je suis d'accord avec toi frérot, Rayquaza il est incroyable. Et du coup son pseudo c'est Nathan. Et bah lui les gars il a trouvé le code secret, du coup il mérite le petit huge. Hop, je lui envoie directement Nathan et il a gagné les gars un emoji cat. C'est un pet assez rare en plus, il vaut 100 millions de gemmes. Bah alors lui il se met très très bien. En tout cas GG à toi Nathan, t'as gagné un huge de malade, donc gros GG. Et on passe directement au dernier vainqueur. Ok, le dernier vainqueur les gars c'était un exclusif et c'est Emily, mon pseudo c'est Miyam Ichi. Et bah je t'envoie directement le cadeau. Hop, et en plus t'as même pas mis le code secret. Donc bon, toi t'aurais pas gagné non plus je pense le huge vu que t'as pas mis le code secret. Mais c'est pas grave parce que t'as quand même gagné un exclusif. Et je crois que c'était un capybara si je dis pas de bêtises. Alors faut juste que je le retrouve, comment il s'appelle le capybara cyborg? Ah il est là, regardez, le cyborg capybara qui vaut 10 millions de gemmes. Donc c'est franchement pas mal, donc gros GG à toi. Hop, je te l'envoie direct, mais la prochaine fois oublie pas le code secret hein. Attention, et attention ça charge. Oula, ouais ça charge beaucoup. En tout cas
cadeau envoyé. Yo les gars, c'est Ensu, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo sur Pets RNG, ou plutôt Pets Go. Et les gars, aujourd'hui c'est la fameuse vidéo, le retour du pigeon. Aujourd'hui les mecs, je vais acheter toute la boutique. Oui, vous rêvez pas, je vais acheter toute la boutique. Et d'ailleurs les gars, si vous voulez plus de vidéos comme ça, où j'achète tout, genre je pigeonne de malade. Par exemple, si vous voulez que je pigeonne le double Forever Pack, qui coûte très 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 cher. Eh bien les gars, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, etc. Pour que je gagne plus d'argent tout simplement. Moi je dépense tout l'argent que vous me faites gagner là-dedans. Et au moins je vous fais une méga vidéo pack opening. Du coup voilà les gars, d'ailleurs dans 10 secondes il y a l'index qui se reset. Donc on va attendre un petit peu. Parce que dans l'index on peut avoir des trucs très stylés. Comme des boosts assez rares. Et il y en a deux que j'ai pas encore. Donc j'aimerais bien les avoir. Attention, suspense. Alors faut reset je pense. What? Non merde, je l'ai bugué je crois. Ah non c'est bon. Ok, bon bah moi je vais prendre toutes les potions. Hop, sauf le truc de coin, on s'en fout un peu. Bon bref, en tout cas les mecs c'est parti, on va directement pigeonner. Mais juste avant, on va pigeonner sur Pet Simulator. Parce que les gars, je me suis dit, pourquoi pas pigeonner sur les deux jeux tant qu'on y est. Voilà, tu pigeonnes sur Pet Simulator, tu pigeonnes sur Pets Go. Comme ça, tout le monde sont contents. Ceux qui aiment Pet Simulator ils sont contents, ceux qui aiment Pets Go ils sont contents. Du coup on va pigeonner sur les deux jeux et je vais acheter toute la boutique sur les deux jeux. Vous rêvez pas les gars, vraiment quand je vous dis toute la boutique, c'est toute la boutique. Du coup c'est parti et on commence directement avec le Forever Pack. On s'en bat avec, bon il est infini les gars donc je vais pas l'acheter vu que c'est infini. Sinon ça coûterait des milliards de Robux et ça se terminerait même pas vu que c'est infini. Le Titanic, bon c'est dans 6 jours donc je peux pas l'acheter maintenant. Les œufs, j'en ai déjà ouvert ou pas, je sais plus. Ensuite ça je l'ai. Alors l'exclusive diamond il coûte combien? 700 millions. Et bah vous savez quoi les gars, je vais économiser mes diamants pour l'acheter. Et puis je vous ferai une vidéo avec ce joli petit truc. Donc vous voyez que là j'économise mes diamants. Ensuite la pizza overboard, on va vérifier si je l'ai. Voilà, pizza, je l'ai. Ah mais en fait je vous fais cette vidéo mais j'ai déjà toute la boutique en fait. Le pop 4, est-ce que je l'ai? On va vérifier les mecs. Attention, attention, et oui je l'ai. Ensuite on a le throne overboard. Alors celui-là je crois que je l'ai acheté en vidéo. Donc ceux qui s'en rappellent, ouais je l'ai. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre de beau? Le clan Voucher, est-ce que je l'ai? On va marquer clan Voucher. Alors merde, je sais pas écrire clan Voucher. Ouais, je l'ai acheté les gars, je l'ai. Ensuite, on a le Abyssal Boost. Est-ce que j'ai le Abyssal Boost? Ouais, bah il est juste là. Même pas besoin d'écrire. Attends, je vais quand même écrire, mais ouais, il est là. Ensuite, on a le Lemonade Stand. Est-ce que je l'ai acheté? Bon, vous inquiétez pas, il y a un truc que j'ai pas, vous inquiétez pas. Lemonade Stand, je l'ai acheté. Et le Nightmare Boost. Est-ce que je l'ai acheté le Nightmare Boost? Alors attendez, Nightmare... Quoi? Non, tu mens. Je l'ai pas. Attends, je vérifie, mais... Ah ouais. Bah les gars, je l'ai pas. Bah du coup, je vais l'acheter. C'est parti. Comme ça, on peut vraiment dire que j'ai officiellement, les gars, acheté toute la boutique. Du coup, c'est parti. 3, 2, 1, et... Let's go! Let's go! Ok. Pure chasse, successful, thank you. Et bah, no problem, my friend. Du coup, on a débloqué le Nightmare 4 Boost. Franchement, il est stylé en plus. Du coup, les gars, là, on a quoi? Ça c'est pour faire des cadeaux à des amis. Et là, official Pet Simulator merch, bah j'ai pas de code. Du coup les gars, j'ai tout acheté la boutique. J'espère que ça vous fait plaisir. Parce que bah Pet Simulator, ça fait longtemps que j'y ai pas joué. Mais comme il n'y a pas de mise à jour, bah j'avais déjà toute la boutique presque. Sauf un truc. Donc ça régale en vrai. En plus regardez-moi tous ces boosts à gauche, magnifique. Du coup les gars, on est de retour sur Pets Go. Et on va pigeonner toute la boutique. Parce que bah j'ai déjà acheté toute la boutique Pet Simulator. J'avais oublié, mais c'est pas grave parce qu'un pigeon c'est un pigeon et en plus il me manquait un boost. Donc je sais pas si je l'avais donné à quelqu'un ou si je l'ai vendu, mais dans tous les cas, il me manquait le boost donc je l'ai acheté. On achète tout le temps les potions, n'oubliez pas. La boutique, on regarde si ça reset. Et les gars, c'est parti pour s'acheter toute la boutique. Ça va faire mal au huc, mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Allez, let's go et on va commencer directement par l'hyper D juste ici. Hop, l'hyper D ça permet de rolls plus vite. Donc je vous montre, regardez, ça c'est la vitesse de base. On va compter combien de temps ça met. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Attends mais c'est méga long. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et si je mets comme ça, attends. Si je fais comme ça, on va voir ça met combien de temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ouais, je suis méga long. Bon attends, bref, on va l'acheter. J'espère que c'est rentable. Allez, c'est parti. 3, 2, 1, hyper D. Acheter. Qu'est-ce qui se passe? Achat réussi, merci beaucoup. Bah de rien. Et du coup la vitesse, attention les gars. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bon, c'est pas très rentable on dirait. Wesh, c'est méga lent. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Wesh, ça pue la merde. Les gars, je me suis fait scam ou pas? Wesh, mais je crois que je me suis fait scammed là.
Je me suis fait scammed. C'est quoi cette vitesse de con? C'est quoi ça? C'est pas grave, on continue avec le ultra, les gars. Ça augmente énormément la chance ultra. Donc c'est parti. Wesh, il me reste 2 Robux. C'est pas grave. Ok, on achète. 3, 2, 1, c'est parti. Achat réussi. Et tadam! Achat réussi. Du coup, maintenant, normalement, j'ai plus de chance. On va voir si c'est vrai. 1 sur 50. Ouais, pas ouf. 1 sur 100. Pas ouf. 1 sur 200. Pas ouf. Bah, je suis pas sûr que ça marche vraiment, hein, ces petits scams là. Ouais, pas sûr. On va mettre, hop, jusqu'à les dés dorés. Et on va voir si on a un truc bien. Au dé doré, j'espère. Attention. Et non. Bon, un peu un scam. Et attendez, pour le dernier, les gars, il faut que je rajoute des Robux. Et voilà, les mecs, je viens de rajouter des Robux. Et du coup, maintenant, on va attendre qu'ils arrivent. Et d'ailleurs, les gars, j'ai pensé à un truc. Ça aurait été trop bien que je puisse acheter toute la boutique, plus des diamants, plus le double Forever Pack. Mais du coup, malheureusement, quand vous achetez l'abonnement, donc vous voyez que j'ai le logo abonnement à droite, et bien quand vous achetez l'abonnement, ça baisse les prix des Robux et des autres abonnements. En gros, c'est que le premier achat qui est boosté. Par exemple, si vous achetez le pack à 5 euros avec l'abonnement, quand vous n'avez pas l'abonnement, donc vous le débloquez, vous allez gagner 450 Robux. Par contre, si vous avez déjà l'abonnement, au lieu de 450 Robux, ça va être 440 Robux. Et du coup, c'est un peu du scam, parce que regardez, si on calcule, regardez, 275 plus 125, ça fait pile 400. Du coup, ça veut dire que j'aurais pu avoir avec 400 Robux bah, les deux trucs, plus avec 50 le Forever Pack, donc ça m'aurait fait 450. Malheureusement, quand je vous l'ai dit, c'est pas 450, mais 440 quand t'as déjà l'abonnement. Donc c'est un peu du scam et je suis dégoûté. Ça veut dire il manque même pas, je crois, 5 Robux. Donc voilà, il manque 5 Robux, les gars, j'ai le seum, mais c'est pas grave. On achète quand même le boost. Let's go. Allez, 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 allez. Allez, j'achète, j'achète, j'achète. Et achat réussi. Let's go. Maintenant, on va tester. Oh, une chance sur 200. Attends, j'espère que c'est bien quand même. Une chance sur 18. Non, c'est du scam, wesh. Une chance sur 35, ouais. Si je me fais scam ou quoi là? Les gars, vous me dites si j'ai bien fait d'acheter ça ou si j'ai pas fait. Bah, après, ils seront peut-être qu'ils vont les booster. Parce que je sais que des fois, les Game Pass, ils sont tellement nuls que les créateurs du jeu, ils boostent les Game Pass. Ah, il y a écrit posséder maintenant. Attends, on va regarder si j'ai écrit posséder partout. Posséder, ouais, ok. Incroyable. Et sur le dernier, il y a écrit quoi? Posséder. Trop stylé. Bon, bah, les gars, on peut dire que j'ai bien pigeonné. Mais juste avant, on va s'acheter, je pense, des diamants. Allez, c'est parti. Il me reste des Robux. On va se faire plaisir. Hop, vous voyez qu'il me restera 42. À 8 Robux près, j'aurais pu acheter le Forever Pack double chance. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. En tout cas, let's go, les gars. Je viens d'obtenir 130 000 diamants. Je suis un gros pigeon. Sachant que les diamants, vous ne pouvez pas les obtenir dans le jeu, sauf si vous payez. Donc ça veut dire là, je suis l'un des seuls mecs au monde qui a des diamants, parce qu'il n'y a que ceux qui payent qui en ont. Sauf évidemment ceux qui vendent leurs pets. Mais il faut savoir que si vous vendez vos pets, les gars, c'est des gens avec des diamants qui vont vous les acheter. Donc ça veut dire que c'est que des mecs payants. Vous avez capté, vous avez capté. En tout cas, c'est pas grave, on va directement dans la Trading Plaza et on va regarder s'il y a des bonnes affaires. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ici? D'ailleurs, moi, dans ma collection, il y a quelques... Ah, ils se vendent pas trop cher en vrai, ça va. Il y a quelques pets que j'ai pas dans ma collection. Attends, je vais regarder mon index tant qu'on y est. Comme ça, les gars, on va compléter ensemble mon index. Hop. Alors, il faudrait que je trouve lequel? Il faut que je trouve le dragon coloré, la piñata. Donc, il me faut plus que 1 million. 1 million 3. Ok, bah si on trouve des pets à plus de 1 million 3, je les achète. Hop, comme ça, on pourra faire un achat pour tester en vrai. C'est plutôt stylé. Là, il y en a un à 10 000. Non, 10 millions, pardon. C'est un peu un scam. Là, on a quoi de beau? Ok, bon, la Trading Plaza, elle est vraiment en négatif, hein. Là, on a quoi? Nul. En plus, on peut même pas changer de Trading Plaza. Il faut se barrer et revenir. C'est du scam. Ok. Lui, il vend des trucs à 1, à une gemme. Je lui achète ou pas? 30 000, c'est pas mal en vrai, non? Pour des abonnés. Allez, j'achète. Hop. 30 000, c'est pas mal, je pense. À une gemme en plus. Allez, on va changer de Trading Plaza et puis on va essayer de trouver des bonnes affaires. Hop. C'est vrai que si tu trouves des bonnes affaires en Trading Plaza, les gars, je pense que c'est incroyable. Mais du coup, ouais, je disais, je suis un peu deg parce qu'il me manque littéralement 8 Robux. Genre, j'ai vraiment le seum. Comment c'est possible? C'est vraiment du scam. Dites-vous que j'avais calculé les Robux et j'avais pile assez. Mais bon, et mon scam, donc je suis un peu deg. Mais c'est la vie, les gars, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça, c'est comme ça. Alors lui, il veut nous scammer. Une gemme. Bah là, c'est une gemme, mais pour des trucs nuls, donc je vais pas les acheter. S'il y aurait eu un peu mieux à la limite. Alors là, on a le dragon 2 millions. Je vais regarder, les gars. Est-ce que je l'ai dans ma collection, le dragon?
Après, en vrai, le mieux c'est de pas acheter de gemmes. Enfin, de. Ah ouais, je l'ai en plus. Le mieux, non, pas d'acheter des gemmes, je veux dire, de garder ses gemmes, c'est ça que je veux dire. Parce que si tu gardes tes gemmes, tu vas pouvoir faire des bonnes offres dans le futur. Donc bon. Ici, on a quoi de beau? On a un 20 millions. 500 000, waouh. Je sais pas si c'est du scam, mais c'est un peu cher quand même. Là, on a des petits chats, ok. On a celui-là à 25 000. Bon, il a mis un peu cher, le mec. En fait, faut trouver des bonnes affaires, en fait. Et je suis sûr, on peut trouver. C'est sûr. Parce que, frère, c'est le début du jeu, il y a plein de gens qui vont mettre des trucs pas chers et tout. Donc, les gars, c'est le moment. D'ailleurs, moi, mon rêve, c'est d'avoir un méga magnète dans le jeu. Comme ça, les méga magnètes, ça va être incroyable. 200 000, lui, il vend 100, 140 000. Ah ouais, le scam. 200 000. Waouh. Oh, le scammer. Scammer get scammed. Là, on a quoi de beau? Des narwhals, ouais. Ah ouais, mais il y en a, ils mettent des prix méga chers alors que le jeu, il vient de sortir. Ils sont bêtes ou quoi? Vous savez qu'ils vont jamais les vendre, les gars. Ils vont jamais les vendre. Bah ouais, ça vient de sortir. Ou alors faut que je trouve un Bambi qui en a un pas cher et je lui donne plein, genre 100 000 gemmes, tu vois. J'avoue, ça c'est une bonne strat. Les gars, c'est une bonne strat, vous trouvez un petit Bambi. Et puis vous lui dites, je t'achète ton pet à 500 millions pour 100 000 gemmes et tout. Comme ça, il va dire, bon allez, go. Et après, tu lui prends tout. Bon après, faut pas le scammer non plus, mais tu lui fais une petite offre, tu vois. Petite offre, tranquille. Ok, on a quoi de beau ici? Là, on a une great deal. Ok, good deal. Là, on a quoi? 15 millions, mais il vend un peu cher. Lui, il vend quoi? Des trucs pas trop chers, pourtant. Des petits lapins cyborgs. J'aurais pu les acheter, mais on va pas les acheter. Et là, on a quoi? Oh, lui, il abuse. Et il y en a, ils abusent vraiment. Vraiment. Allez, on continue. Hop. En fait, je pense les bonnes affaires, c'est s'il y a des trucs à moins de 100 diamants et qui valent 1 million de power, tu vois. Ça, c'est des bonnes affaires. Mais sinon, tous les prix rap et tout, enfin, ça sert à rien, c'est du scam. Par exemple, là, regardez. Lui, il le vend à 200 000, mais personne ne va jamais lui acheter. 80 000, celui-là. Un Reaper à 3 millions. Est-ce que je l'ai? Je vais regarder si je l'ai. Attendez. Le Reaper, je pense que je l'ai pas. Ah ouais, je l'ai pas, mais est-ce que je vais l'acheter? Je sais pas. Au pire, je trade le mec. Regardez. Hop. Je trade le mec. Je vais lui dire hi. I want to buy the Reaper. Donc il le vend 80 000. C'est le début du jeu. Je vais lui proposer 40 000. Hop. Et je pense pas qu'il va accepter, mais bon. C'est le début du jeu, frère. No. It's the start of the game. It's not worth. C'est un scammer. Je vais marquer You won't sell him. Bon, pas sûr qu'il va accepter, mais bon. C'est jamais, hein. 40 000, c'est un bon prix, hein. Franchement, 40 000 pour un petit pet comme ça. On verra s'il accepte. Bon, il veut pas. Tant pis pour lui. Il le vendra pas, les gars. C'est pas grave. Moi, je l'ai voulu lui proposer un petit prix. Il veut pas. Regardez bien comment il va regretter plus tard. Il va voir, jamais personne va lui vendre. Le prix, il va baisser en plus. Parce que là, c'est le début du jeu, les gars. Il n'y a pas beaucoup de diamants dans la map. Donc les prix, ils vont tous baisser. Surtout plus tard. Parce que pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de diamants. Donc. Ils peuvent se permettre de mettre des prix assez hauts. Mais le problème, les gars. Attends, le dragon, je l'ai ou pas? Le problème, c'est que au bout d'un moment, les diamants vont être disponibles pour tout le monde. Et tout le monde aura des diamants. Du coup, bah, le problème, c'est que les diamants, ils sont tellement faciles à avoir. Que. Bah, ça va être aise, quoi. Hop, alors HG. Lui, je vais lui trade. Bon, bref, je pense que vous avez compris ce que je veux dire. En gros, il y aura plein, plein, plein de diamants. Tout le monde aura des diamants. Donc, les prix, ils vont tous baisser. Vu qu'il y a des pièces de merde. Enfin, t'as capté. Du coup, alors attends. Là, on a quoi? Des petits fox, ouais. Je l'ai pas la licorne, attends. Agent machin. Déjà, il y en a, ils sont FK, je sais pas ce qu'ils font. Hop. Je vais lui dire bonjour. Hi. I want to buy the unicorn.
Il a fait à combien? 36 000. Je vais la mettre à 15 000, je pense. No offer. Bah, offer si, t'as déjà en fait, pouet-pouet. 15 000. Il est fou lui. Yo, Muscamed. Oh, il Muscamed. Bon, bah, les gars, ils sont bêtes. On va changer direct. Frère, les gens, ils... Vas-y. Le problème, c'est qu'ils vendent leurs trucs super cher. Mais personne n'a de gemmes. Je suis le seul mec du serveur avec des gemmes et ils veulent même pas me le vendre. Les gars, vous savez, ils ne vont jamais les vendre leurs pets. Genre vraiment. Je suis le seul mec du serve. Ah, mais je suis revenu dans le même serveur de Golemon. Oh là là. Je suis dans le même serveur. D'ailleurs, je peux vendre mes pets moi. J'ai quoi de beau? Ouais, mais après, j'ai les trucs, j'ai pas tout en double. Tout ce que j'ai pas en double, je vais garder pour l'instant. Allez, on se taille de là. Hop, on va relancer quelques Trading Plaza et puis après je vais arrêter parce que bon, ça sert à rien, les gens ils sont bêtes. Genre vraiment, je leur propose la moitié du prix, RAP, et ils sont pas contents. Et la moitié du prix, c'est quand même pas mal, hein. Croyez pas. C'est pas le scam de l'année non plus. Ok, bon, lui il a mis même plus cher, il va jamais le vendre. Là, il y a quoi? Il y a du Kitsune. Ouais, mais les gens ils ont pas les trucs de ouf, hein. Là, on a qui? Il s'appelle comment? Luck is real. Ok, Luck is real, je vais essayer le trade. C'est qui? Frieza? Ah oui, c'est Frieza. Frieza, Luck is real. Ah, il est en trade. Attends, je vais lui dire Frieza trade. Nanana. I buy the computer. Je sais pas si je l'ai, mais je crois pas. Il le vend à 200 000, je lui propose 100 000. C'est un bon prix pour un truc à 10 millions, je pense. Est-ce qu'il va accepter? Suspense. Attention. Attention. OMG. Il réfléchit là. Il est en train de se dire non, bon, je pense pas. Je vais marquer You won't sell him. Ça, c'est la strat, les gars. Vous lui dites. Tu vas jamais le vendre et le mec il a le seum. Attends, lui il a des trucs plutôt pas mal, attendez. Ouais, le 10 millions et le 15 millions, est-ce que je les ai? 10 millions et 15 millions. Je vais regarder dans l'index après. Bon, il se dépêche ce Neuil là. De toute façon, au pire, il a pas quitté le serveur. I will sell him if I underpay it. Moi, j'ai pas compris ce qu'il raconte le poteau. Du coup les gars, regardez, vous annulez et puis après déjà vous dites bonjour aux abonnés, très important. Et donc on va regarder, lui il vend quoi? Il vend le 15 millions. Ah, le 10 millions je l'ai. Mais du coup le 15 millions je l'ai pas, donc je peux peut-être essayer. Ah, il s'est barré je crois. Bah, il est vraiment bête lui. J'allais lui acheter ses pets. Bon, c'est pas grave, il est bête. L'autre aussi il est parti, mais ils sont tous partis. Mes frères. J'allais leur acheter leurs pets, ils se barrent. Oh, les gogoles! Ah, il est revenu. 210 000, mais tu vas pas le vendre, toi. Luck is real. Déjà 100 000, c'est pas mal, frère. Donc, tu vas arrêter de vouloir me scam, espèce de œil humide que t'es. Bon, allez, c'est un scammer. En fait, frère, faut trouver un mec vraiment qui s'en fout et qui va dire vas-y, ok, moi je le vends. Mais là, en fait, ils sont trop bêtes, les gens. Ils pensent. Ils vont réussir à vendre leurs pets de merde. Mais vous allez pas les vendre vos pets de merde, les gars. Attends, je suis dans le même serveur, je crois. Ah ouais, mais je suis encore dans le même serveur. Je crois que c'est parce que j'ai un ami là. Non, je sais pas. Hop, on y retourne. D'ailleurs, est-ce qu'on peut voir le nombre de gemmes en haut à droite? J'ai pas fait attention tout à l'heure. Non, on peut pas voir. Ah, là, il y en a un. 100 000. Non, mais alors lui, c'est un skimmer. Noodle, Luck is real. Mais je crois que c'est le même mec. En tout cas, il s'appelle encore Luck is real. I buy the Reaper and computer. Ah, je vais acheter les deux pour le prix d'un. Voilà, magnifique. Rentable ou pas? Mais il va jamais accepter. Allez, mon petit œil, accepte. Mais vas-y.
Bon, regarde, je vais lui flex maintenant, voilà. Voilà, tu voulais flex, c'est qui maintenant là, ça? Voilà. Voilà, t'as le seum, hein? Voilà, tiens, prends le seum. Bon, attends, lui, je vais le trade, All Might. Hop. Bon, il est déjà en trade, son œil. Il y a qui d'autre? Lui, je l'ai déjà, son pets. Lui, il truc pas mal, lui. Ah, mais il les overprice, ce gogol. Non, mais frère, c'est une dinguerie, les gens comme ça. Undertale. Non, mais lui aussi, l'overprice. Je vais essayer de le trade, mais... Hop. Tiens, tradez-moi. Je vais lui dire... C'est qui, lui? I buy the démon. Hop. Et le démon, il a combien? 340. Je le fais à 100 000. Hop là. Je suis un bon ou pas? Je suis un bon. Vas-y frère, c'est des scammers, ils veulent me scammer. Bon bah les gars, je crois la Trading Plaza, ne n'y allez pas. C'est du scammed. Ah la pignata, je l'ai pas, elle est stylée. Je l'ai lui ou pas? Le Dominus Cyborg, attendez. Je vais regarder. Y'a moyen, je l'ai pas. Dominus Cyborg. Ouais, je l'ai pas. Ah si, je l'ai. Ah non, je l'ai pas. Alors attendez, il est où le Dominus Cyborg? Il est là. 160 000. Alors lui, je peux lui trouver un bon prix. Alors Jamal, il est où? Il est là. Il est déjà en trade, frère. Ce neuil. Viens là, viens là. Trade, trade, trade. Et lui, là? Vas-y, mais Jamal, tu me trades ou tu me trades pas? Nanana, nanana. Bon, je sais pas ce qu'il fait, mec, mais... Je crois qu'il a pas envie de me trade, hein. Bon, je vais lui dire dans le chat. Jamal trade. Hop. Voilà, je vais lui dire de me trade parce qu'il sait pas me trade. C'est vraiment un œil. Et là, il y a quoi de beau? Non, là, c'est du scammed. Attends, je l'ai pas lui, je crois. Dragon coloré. De Vargy. Je vais regarder. Je vais lui dire I buy the colorful dragon. Mais fils de chien de pute. Pardon. Mais il est con quoi ce gros con? Frère, mais il est vraiment bête. Je vais dire, Vargy, are you stupid? Vas-y frère, les gens ils sont trop bêtes. J'en peux plus. J'en peux plus des gens bêtes. Le mec il annule le trade, j'ai rien fait encore. Oh là 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 là, la Trading Plaza c'est vraiment le pire truc. En plus, si ça se trouve, je l'ai déjà. Non, je l'ai même pas. C'est le pire truc, la Trading Plaza. Les gens sont bêtes de malade. Oh là là, les gens ils sont trop bêtes. En fait, ça fait chier parce que les gens ils marquent le prix RAP. Donc c'est chiant. Genre, pourquoi Big Games vous marquez le prix? Pourquoi vous marquez le rap? Du coup, les gens ils vendent tous au prix rap. Alors que ça pue sa grand-mère. Réfléchissez, Big Games. Comment vous voulez faire des bons deals si tout le monde met les prix RAP qui puent du fion? Frère, regarde, bad deal, il y a écrit bad deal. Mais oui, logique, bad deal, ça pue du fion. Lui, il vend quoi? Un sphinx? Je sais pas si je l'ai, je vais quand même le trade. Hop. Là, on a quoi de beau? Lui, je l'ai, je m'en rappelle. Ah, lui, il a des trucs pas mal, mais il overprice un peu, ce malade. Donc bon, fuck you. Lui, il a quoi? Le chinois, je l'ai. Oh, il a le truc rare, lui. Bah, lui, il le vend un peu cher, son truc. Il s'appelle comment? Billet, machin. Je vais lui proposer 100 000 gemmes. On va voir s'il accepte. S'il se réveille déjà, parce qu'il est en train de dormir sur le keyboard. Hop. Tiens, 100 000 gemmes. Non, pas pour ça, hein, sale neuil. Je vais lui dire le dolphin. Qu'est-ce qu'il fait ce gros œil? Vas-y. Oh les gens ils sont trop cons. Bon les gars, je crois qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo parce que j'en peux plus. J'en peux plus. De base c'est une vidéo où je pigeonne toute la boutique et ça finit en vidéo. Je suis dans un trading plaza avec des œils qui savent pas jouer. Et qui mettent des prix overpriced. Le mec il a mis 3 millions pour un pet à 1 million qui est même pas bien. Plus du fion.
C'est quoi ça? Bande de scammers. Ok, mafia lui. Alors lui, je vais le trade. Lui, je vais lui trouver un bon prix. Hop. Wesh, il a l'overboard. Ah, moi aussi, je l'ai. La piñata, je l'ai, je crois. Ou je l'ai. Je l'ai plus. Je sais plus. Bon, de toute façon, il me trade pas l'autre œil. C'est un œil. Ouah, les gens, ils sont trop bêtes. Vraiment, j'en peux plus. C'est pourquoi ils sont bêtes comme ça? Oh, il y a Trixis dans ma game. Ok, allez, on continue. Tadadadada. Il y a des bonnes affaires ici ou pas? Il y a Fablo, mais Fablo il est bête. Hop. Je lui mets 100k gemmes. Fort computer. Lui il vend quoi? Mais putain, bande de neuils. Sini, je sais pas quoi. Oh, les gens ils sont vraiment trop bêtes. Et lui là, VTX. Je vais lui prendre Piñata et Unicorn. Je vais dire Piñata and Unicorn, please. Et je vais lui mettre combien comme prix? 30, ça fait 1, 5, ça fait 60 000. Et je mets 35 000. Allez, je mets 35, allez. C'est rentable de malade. Il va jamais accepter vu que c'est un œil. You won't sell. Bro. No one has gems. Mais putain! Oh là là, le gros nœud qu'il est, lui. Vas-y, frère, que des nœuds. Les gens, je vous jure, ils sont bêtes. En fait, ils sont matrixés par les chiffres. Ils sont matrixés. Ils s'appellent comment? Tiki. En fait, ils sont matrixés par les chiffres et ils voient, il y a marqué valeur 800 000. Du coup, ils pensent que ça vaut 800 000. Alors que ça vaut pas 800 000, frère. Le jeu, il vient de sortir. Le patch, dans une semaine, il vaut 0. Mais bon. Tu préfères avoir 100 000 que 0? Enfin, 0 que 100 000, du coup. Vas-y, frère. Les gens, ils sont bêtes. Bon, les gars, j'abandonne. Je suis désolé, mais je suis désespéré, là. C'est n'importe quoi. Les gens, ils sont vraiment bêtes. Genre, vraiment, dites-vous que, genre, tu peux avoir max 4 millions de gemmes. Et t'as des pets, regardez, je vais vous montrer. Des pets de merde qui valent 4 millions de gemmes. Et 4 millions de gemmes, vous savez, c'est combien d'argent? C'est beaucoup d'argent. Genre par exemple, lui là. C'est un pet, même lui. 2 millions de gemmes, frère. 2000 Robux. Je sais pas si vous vous rendez compte. 2000 Robux, c'est énorme. C'est combien? C'est genre plus de 20 balles, 30 balles. Vous pensez vraiment, il y a un mec qui va vous payer 30 euros pour l'acheter votre pets de merde ou pas? Bah non, les gars, réfléchissez, hein, s'il vous plaît. Bon, je parle pas à vous, mes abos, parce que vous êtes pas bêtes, vous. Mais les mecs dans les serveurs, ils sont trop bêtes. Les gars, personne va vous payer 30 euros pour un pets de Golemon qu'ils peuvent avoir gratos. Regardez-moi, il y a un abo, il m'a donné un pets qui vaut 18 euros. 18 euros comme ça, normal. Bah oui, logique, parce que frère, personne va l'acheter à 18 euros. Mais bon, les gens, ils sont bêtes. Vas-y, frère, c'est trop. C'est trop. Bon, bref, les mecs. Désolé, très gris, mais les gens sont bêtes. Donc, c'est ciao. Je me taille de là. Ciao, ciao.